chez Ashton et Ameublement Tanguay, en première ligne. À tous un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif dans notre émission aujourd'hui. On parle de la nouvelle saison de Je cours Québec. Ça débute ce dimanche avec le demi-marathon Oasis de Lévis. Mais d'abord, parlons de Hockey Midget 3. Les Chevaliers de Lévis ont connu toute une saison, une année de reconstruction, mais ils ont terminé en quatrième place au classement général et remporté la Coupe Dodge récemment. Hier, c'était l'heure des bilans et des récompenses. Reportage. C'était l'heure des bilans aujourd'hui. Au début de cette saison-là, est-ce que tu pensais qu'il y aurait autant de bons résultats cette année avec ton équipe? Non, vraiment pas. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre avec une jeune équipe, mais on se doutait qu'on allait finir 10-11e au classement général, donc déterminé au quatrième rang avec tout le succès qu'on a eu, puis aussi remporter la meilleure équipe défensive. Là, ça a été une bonne surprise pour nous. Ce qui a fait vraiment la différence, c'est la progression pour en arriver justement à une série de 14 victoires d'affilée et cette victoire en Coupe Dodge? Oui, je pense que c'est la progression. Je pense que c'est l'attitude aussi des individus qu'on avait dans la chambre. On met beaucoup d'emphase sur le genre d'individus qu'on veut chez nous. Je pense que ça part du leadership d'Alexandre Roy, des vétérans qu'on avait dans la chambre. Je pense qu'avec une bonne éthique de travail, avec une bonne attitude et du talent, je pense que tout est possible. Puis je pense que cette saison, c'est la preuve pour nous. Alexandre Roy, joueur de l'année chez les Chevaliers, ça a été toute une saison de reconstruction cette année, quand on voit le bilan. Oui, on a commencé l'année, on avait beaucoup de joueurs de première année, donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre comme saison. Puis on sont vraiment très bien améliorés, puis on a eu une très, très belle saison. Je pense que tout le monde a progressé, puis chacun a progressé dans son rôle. Je pense que les gars savaient quel type de joueur ils étaient, puis on se connaît leur qualité, puis les développer vraiment au maximum cette année. Qu'est-ce que tu vas garder dans ton parcours Midget 3? Je pense que c'est vraiment la sensation que j'avais avec les gars d'être dans la chambre. T'sais, ça fait 3 ans, dans la même chambre. J'ai vu beaucoup de gars passer, des gars monter junior. Fait que je pense que c'est vraiment tout de voir mes chums qui monte dans le hockey, c'est ça qui me fait plaisir. T'as encore une porte ouverte pour le junior majeur? Oui, on sait jamais encore. J'appartiens toujours au Screaming Eagles Cap-Breton. On sait pas ce qui va se passer de ce côté-là, mais sinon, je vais continuer à évoluer au hockey pareil, là, comme au niveau collégial, par exemple. Le coach mentionnait, on nous voyait 11e, 12e au classement, on finit 4e. C'est inespéré. C'est une belle façon de faire le virage Chevalier? Une très belle façon de faire le virage. On avait eu quand même une très belle année l'an passé avec le nom des commandeurs. Au niveau des séries, on s'était rendu en demi-finale contre SSF, contre Sainte-Foy. Et puis cette année, c'était un virage. On a eu le même capitaine que l'an passé au niveau des commandeurs, qui était Alexandre Roy. Et puis, on commençait avec plusieurs nouveaux joueurs, plusieurs nouvelles éditions, dans le fond. Et puis, comme première année, là, au Chevalier, là, on ne pouvait pas demander beaucoup mieux que ça. Dans une année de reconstruction, il faut avoir du talent pour avoir la saison que vous avez eue. Oui, beaucoup de talent. Nos jeunes joueurs sont extrêmement talentueux. Même si on était jeunes, c'était les meilleurs joueurs disponibles. Puis, c'est d'excellents joueurs. Je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui vont être repêchés là, dans les 2-3 premières rondes. Pierre-Élivier Roy, ça a été notre meilleur marqueur pour nous cette année. C'est le petit frère Alexandre Roy, notre capitaine. Excellent joueur, très talentueux, qui revient du défi Gatorade aussi, de la LHGMQ. Donc, Pierre-Élivier Roy, les deux frères Coulombe, Antoine qui est gardien de but, Olivier qui est attaquant, Justin Gosselin, défenseur pour nous, qui était aussi au défi Gatorade, Xavier Bourgault,
tous ces joueurs-là font partie là, d'une très bonne cuvée de jeunes joueurs. Puis il y en a plusieurs autres qui n'ont pas été invités au défi Gatorade qui ont fait un excellent travail cette saison. C'est déjà reparti pour la nouvelle saison au lendemain de la Coupe Dodge. Ça va ressembler à quoi? Excellente question. Parce que sur papier, ça peut ressembler à une chose, mais on ne sait pas qui va rester junior, qui va revenir, donc qui va partir à Noël aussi. Là. Donc, je pense que ça va ressembler à une équipe extrêmement talentueuse, un petit peu plus vieille que l'année passée, avec plusieurs joueurs qui risquent de revenir chez nous. Mais une équipe qui va jouer de la même façon. Je pense qu'il y a des très bons jeunes joueurs talentueux qui sont extrêmement rapides. Puis ils ont beaucoup de talent avec la rondelle. Donc, ça va être intéressant. Ça va être le fun de venir voir les Chevaliers de Lévis l'année prochaine aussi. Après la pause, la saison de Je cours Québec, ça débute en fin de semaine. L'esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain que le Rouge et Or bat des records. Les meilleures foules de football universitaire sont ici à Québec. Depuis la création du programme en 1995, ce sont plus de 1,7 million de spectateurs qui ont franchi les tourniquets du stade, un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, la meilleure ambiance au pays, c'est au match du Rouge et Or, où les réputés et très courus tailgates font l'envie de toutes les équipes universitaires au pays. Encore cette année, la saison de Je cours Québec comptera 5 événements. Il y aura évidemment le marathon en octobre dans un parcours 100% Québec. Mais cette fin de semaine, ça débute du côté de Lévis avec le demi-marathon Oasis de Lévis et un record de participants. Chantal, bienvenue à l'Esprit sportif. Salut. Chantal, ta présence annonce le début d'une nouvelle saison de Je cours Québec, déjà la deuxième pour votre organisation. On est super excités. En fait, effectivement, ça commence dimanche avec le demi-marathon. On ouvre la saison puis on la ferme avec le marathon à la mi-octobre. Mais beaucoup d'effervescence, une très, très belle participation, bien au-delà de nos espérances. Écoutez, on a atteint le 4000 participants. On n'espérait même pas se rendre à 4000 cette année. On visait ça pour l'an prochain. Donc, écoutez, il reste que quelques dossards, une cinquantaine à peine. Mais franchement, un succès déjà là, en partant. Cette année, on a changé l'endroit où se fera le départ du demi-marathon. Oui, nouveauté cette année, le départ qui était au Centre des congrès, on l'a déplacé à l'école de Pointe-Lévis. On trouvait là, justement encore là, riche des commentaires des participants, un peu plus de service pour les athlètes. Alors, au niveau logistique aussi, là, c'était mieux pour nous. On a bonifié ou on a changé un petit peu la catégorie des enfants, des jeunes. On est également attaché avec la fondation de l'hôpital de Lévis au niveau du financement. Alors, on l'était déjà légèrement l'année dernière, mais cette année, on a donné un coup de barre additionnel. Alors, ça aussi, là, ça fait partie des nouveautés pour cette année. François Paradis, c'est une belle association avec Je cours Québec et la Fondation d'Hôtel-Dieu de Lévis. C'est un naturel, hein? Puis d'ailleurs, je me rappelais, je vous dirais très honnêtement que mon meilleur temps de course au kilomètre, là, mon record à vie, c'était pendant que je suivais mes traitements de radiothérapie. Bizarrement, là, c'est comme si le corps avait décidé de dire à l'environnement et à la machine, je vais aller plus vite que ça, je vais me battre encore plus. Alors, la référence avec la course, c'est un peu ça. Hein? Alors, quand moi, je sais que les inscriptions vont bon train, qu'on sera des milliers comme ça à avoir en tête l'objectif de se mettre en forme, de courir, parce que pour des gens, c'est de la passion, la course. C'est la mise en forme, bien sûr, mais au-delà de ça, se dire l'objectif, chaque pas que je fais, là, c'est en pensant à quelqu'un qui, lui, aujourd'hui, peut en choisir Appalaches, c'est 60 personnes par semaine hein, qui reçoivent un diagnostic de cancer. Alors, des gens qui sont démunis, vulnérables, se demandent où je m'en vais. Alors, on lui montre le chemin. On dit, gars, on court par là. On s'en va là-bas, à votre rythme, comme vous le sentez, mais pour arriver à la même place. Avec beau symbole, belle participation. Je pense que c'est une bonne façon de faire de l'exercice associé à une bonne cause. Quatre premières courses sont à deux semaines d'intervalle. On commence avec le demi-marathon, on se poursuit avec la trail du coureur des bois à Duchesne. Événement particulier, événement en forêt. Super événement. Là, justement, il y a de l'engouement pour les événements en sentier. Donc, les gens si vous en avez jamais fait, là, c'est le temps de venir essayer. On a toutes sortes de distances. Alors, on a des plus petites et des plus grandes distances là aussi. Deux semaines plus tard. En juin. En juin, on s'en va à la descente royale à Beauport.
Les gens qui nous écoutent, si vous n'avez jamais fait de compétition de course à pied, c'est le temps de vous inscrire. Alors, ça s'appelle la descente royale. C'est pas pour rien, c'est que ça descend tout le long du 10 km. Alors, c'est facile à faire comme épreuve. On a toujours la gravité là, qui nous amène. On peut le faire en courant, en marchant. Donc, c'est une belle épreuve, c'est un bel objectif de se donner. Là, de... Si quelqu'un dit « Ah, j'aimerais ça faire un 10 km », pas tout à fait accessible pour moi, celui-là l'est définitivement. Et avant le marathon, il y a d'autres événements? Exactement. Alors, on a notre défi des escaliers, lui aussi, au mois de juin. Alors, le défi des escaliers, lui aussi, actuellement, on a dépassé le nombre de participants de l'année dernière. Là aussi, du nouveau, on a ajouté un 8 km, encore là, riche des commentaires des participants. Plusieurs nous ont dit, les escaliers, c'est pas toujours évident. Moi, le 10, 15, 20, c'est un peu trop pour moi. Alors, on a rajouté ce 8 km-là. Puis, on a également rajouté une distance pour les enfants de 2 km pour leur permettre, eux autres aussi, d'aller se jouer dans les escaliers. Et on clôt la saison avec le plus gros événement? Oui, et celui-là, je peux vous dire qu'on y met beaucoup de jus de bras. Avec l'aide de la Ville de Québec, comme vous savez, on a décidé, et le consentement de Lévis, on a décidé d'amener le marathon 100% côté Rive-Nord, donc dans la magnifique Ville de Québec. L'objectif, en faire un marathon carte postale. Alors, nous avons choisi tous les plus beaux endroits de la Ville de Québec et le marathon passera devant ces monuments ou sur ces belles rues de Québec. Donc, on pense à Maguire, Cartier, la 3e Avenue, la rivière Saint-Charles, le Château Frontenac, les Plaines. Bref, le parcours va emprunter tous ces beaux endroits-là. Et on a déplacé la date. Oui. On est à la mi-octobre pour ce marathon, donc il reste encore bien du temps pour se préparer, venir se faire les jambes sur les autres épreuves de Je cours Québec ou encore les autres épreuves de course qu'il y a dans la région. Alors préparez-vous, ça vaut la peine. Je pense que ce sera un marathon hyper agréable, un événement très, très le fun qu'on veut également, familial, entre amis, défi personnel ou défi de groupe. Alors on veut vraiment que ce soit pour tout le monde. Et en terminant, je vous rappelle que si vous voulez revoir toutes nos émissions de l'Esprit sportif, rendez-vous sur notre site Facebook. Bye-bye, à demain.